Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Nous avons une émission aujourd'hui où nous allons parler de l'après, après les élections présidentielles. Maintenant, que faire? Vous savez qu'on a déjà reçu plusieurs intervenants en plateau pour vous parler de plusieurs choses différentes. On a déjà parlé d'évolution statutaire, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. On a déjà parlé de l'autonomie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. On a déjà parlé aussi de la départementalisation, de la différenciation. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Nous sommes avec Gilles Casimir. Bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous bien? Très bien, ça va, merci. Ça va? Alors ouais. Le résultat, vous êtes content, votre président Emmanuel Macron? Oui, bon. D'accord. Bon, écoutez, on est reparti pour 5 ans. Alors, première question, parce qu'on va vraiment parler de tout ça, puisque vous avez ouvert il y a quelques années maintenant, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, le dossier de l'évolution statutaire. Donc, on va en parler. Mais avant, première question par rapport à ces résultats, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la manière dont s'est passé les élections? Il n'y a pas trop de débat, on n'a pas trop parlé du bilan d'Emmanuel Macron. Hier, il y a déjà eu des manifestations anti-Macron et il y a un mouvement qui est en train de s'organiser pour le 1er mai. Donc on part visiblement peut-être pour 5 ans de conflit peut-être à voir, social. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour être très franc, je pense que c'était évident que Emmanuel Macron allait passer. Oui, face à Marine Le Pen. Avant même les élections. Voilà, donc il a joué sa stratégie. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Les Guadeloupéens ont voté contre Macron plus que pour Marine Le Pen. Et aujourd'hui, donc, nous avons le même président pour 5 ans. Voilà. Donc ce qui est intéressant d'analyser, ce n'est pas tellement lui, c'est plutôt nous. Voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors qu'est-ce que nous... Comment on pourrait faire, nous, pour sortir de tout ça? Pour sortir de tout ça, je pense qu'il est toujours intéressant, lorsqu'on est confronté à des difficultés, de se poser les bonnes questions. Voilà. Et ça nous amène également à nous poser les bonnes questions. Quand on voit l'engouement, quand on voit l'espoir qui est porté envers un président de la République, il faut quelquefois savoir se poser un petit peu et faire le point, prendre un peu de la hauteur, sortir de l'émotion et analyser tout ça. Alors, vous avez dit des années, oui, ça fait un petit moment que je milite dans certains groupes, petit à petit, et puis maintenant avec un groupe nouveau que nous avons créé depuis décembre. Et d'ailleurs, nous avons communiqué dans la semaine juste avant l'élection, parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant juste avant l'élection du président de la République, c'est que tous les élus de la Guadeloupe ont voté pour l'autonomie, pour le projet guyanais. Donc, il faut bien comprendre... C'est génial. Ils ont envoyé leur projet aux deux candidats, en plus. Oui, parce qu'il faut comprendre la démarche, en fait. Il faut comprendre, et j'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu, mais le président de la France, c'est le représentant de la nation française. La France, c'est 67 millions d'habitants. Oui. La Guadeloupe, c'est 380 000 habitants. C'est 60 km sur 25 km. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'on conçoive, après 70 ans de départementalisation... que tous nos problèmes seront réglés par un président élu. J'ai beaucoup de mal. Qui n'est même pas guadeloupéen, en plus, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à comprendre ça aussi. Et qui a de l'eau dans le robinet, sachant que l'eau est une compétence locale et a toujours été une compétence locale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, les Guyanais? En 2010, ils ont décidé de faire une évolution institutionnelle. Ils ont créé une seule assemblée. Il n'y a plus de département, il n'y a plus de région. Une seule assemblée, tout le monde se met d'accord. Comme en Martinique. À la différence de la Martinique, où ils se sont arrêtés là, eux, ils ont dit, on va faire un projet Guyane, un projet de société, qu'on se comprenne bien. Pas un projet de développement économique comme la région, pas un projet social comme le département, un projet de société. Et ce projet-là, ils l'ont travaillé. Et le week-end où il y avait l'actualité avec Mme Le Pen, le 26 mars, où il y avait tout ce qu'on a vu Ils ont fait une réunion d'urgence. Ils ont fait leur congrès des élus et ils ont voté pour... l'autonomie. Donc, en fait, ils n'ont pas attendu de solution venue d'ailleurs. Ils ont dit, on veut ça, 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 notre dossier est prêt et on l'envoie quel que soit le président qui sera élu. Ça, c'est une démarche responsable. Est-ce que, parce que là, franchement, c'est un petit peu une gifle pour nos élus locaux ici, puisque toute l'outre-mer est bleu marine. Là, c'est une espèce de tsunami. Donc, est-ce que les élus ultramarins entendent le fait que les ultramarins ne veulent pas d'Emmanuel Macron? Et est-ce que vous pensez que là, il va falloir qu'ils se mettent en axe pour regarder ce qui se passe au niveau de la population et pour voir ce que veut la population?
la cassure est en train de prendre de l'ampleur entre la population et les représentants. Et justement, nous sommes dans une démarche au collectif pour un projet guadeloupéen de société où nous voulons réinstaurer le dialogue. Ce que je vous ai expliqué en Guyane, c'est prévu par les textes. Ce ne sont pas les Guyanais qui ont créé leur truc. C'est quelque chose qui est possible dans tous les territoires d'outre-mer. Et nombreux sont les territoires qui sont allés vers ça. Parce qu'ils ont compris que la France ne peut pas donner plus de pouvoir à un territoire. Que ce soit M. Mélenchon, que ce soit M. Macron, que ce soit Mme Le Pen, aucun des trois, ils n'ont pas le pouvoir, concrètement, de nous donner plus de pouvoir. Voilà. Donc, selon les textes, c'est à nous de le faire. Alors, je disais, ça nous invite à nous poser beaucoup de questions, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on occulte ça. On préfère ne pas penser à ça. Et c'est pour ça qu'on se jette dans l'élection présidentielle. Mais on se jette dans l'élection présidentielle comme un grand divertissement, en fait. Comme si on serait sauvé par un quelconque dieu ou un quelconque quelque chose qui n'est pas forcément spécialement adapté pour nous, pour nos territoires. En plus, ces personnes viennent ici et promettent des choses. Qui ne sont jamais respectées pour la plupart. Et nous le savons. Et ils promettent des choses alors qu'ils n'ont ni les moyens financiers de le faire, ni le pouvoir de le faire. Donc il y a un vrai souci. Et c'est là où la classe politique locale doit jouer son rôle pleinement, doit être en mode de dépassement de fonction, donner du cap, donner une vision, réinstaurer le dialogue avec la population, expliquer concrètement aux Guadeloupéens ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et là, le titre de votre émission, c'est « Élection présidentielle et maintenant ». Mais on voit que le jour même de l'élection du président de la République, boum, on verse déjà vers les législatives. Donc on va faire quoi? On va voter pour des députés qui vont porter notre voix à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est 577 députés. Nous en avons 4 en Guadeloupe. Je demande à tout le monde de se remémorer tous les grands discours, les grandes envolées lyriques de nos députés à chaque fois pour dire « en Guadeloupe, on a ci, on a ça ». Regardez la réaction des autres députés. Ben, ce n'est pas leur problème, ils votent beaucoup contre. Regardez, est-ce que même ils sont présents quand nous prenons la parole? Est-ce que vraiment cette Assemblée nationale, avec le Sénat, est-ce qu'ils ont franchement quelque chose à faire de nos problématiques du quotidien? Parce qu'ils savent, eux, que nous avons tous les outils disponibles pour régler nos problèmes. Et c'est là le drame, en fait. Nous avons tout pour régler nos problèmes. Et je ne parle pas d'autonomie, d'indépendance, je ne parle pas de tout ça, hein. Je suis très pragmatique. Nous avons... Il n'y a pas d'idéologie, là. Oui, d'ailleurs, le ministre nous l'a dit quand il est venu. Ça, c'est vous. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Que font tous vos responsables politiques, économiques et tout? Pourquoi vous ne le faites pas? Mais même moi, ils me le disent au téléphone. Quand j'appelle Bercy, il me dit « Ah, désolé, mais ça, c'est vos responsables. » Donc, ouais, il faut voir ça avec eux. Donc, nous avons fait un gros travail au collectif Front Projet Guadeloupéen de Société. Un gros travail d'explication. On a fait un Zoom qu'on invite tous les Guadeloupéens à regarder. C'est un Zoom du 12 décembre. Il est sur YouTube. Où on a fait 70 ans d'histoire en 2 heures. Quand vous regardez ça, vous comprenez notre responsabilité à ce qui se passe aujourd'hui. En fait, il faut bien comprendre qu'on a vraiment pris le temps et on a eu des appels, on a eu des messages de personnes dont c'est le métier, des politologues, des personnes qui travaillent au Sénat, à l'Assemblée nationale, et qui nous ont dit on n'a commis aucune erreur. J'invite tout le monde à regarder ça. On a eu beaucoup de retours parce que ça fait 2 heures. Oui, ok. Mais c'est difficile de synthétiser 70 ans en 3 minutes. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, après 1 minute 30, on zappe. Mais quand on regarde l'intérêt que l'on porte à l'élection d'une personne, à un poste, et ce poste n'a jamais rien changé pour nous, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Les bonnes questions. Alors, effectivement. Alors, ma première question, maintenant que les élections présidentielles sont passées, on a vu les gens vont peut-être se jeter dans les législatives, est-ce que si demain, nous sommes autonomes, on va quand même participer aux élections législatives ou est-ce qu'on n'aura pas de représentants en ayant un autre statut? Par exemple, parce que la Polynésie qui est autonome ou bien la Nouvelle-Calédonie qui est encore plus avancée, hein, pratiquement indépendante, est-ce qu'eux ont aussi des députés, des sénateurs à l'Assemblée nationale? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un député de la Polynésie pleurer sa peine à l'Assemblée nationale? Non. Jamais. Est-ce que vous avez vu un député de Saint-Barthélemy pleurer sa peine? Non. Ah non, même pas. Jamais. Donc, l'Assemblée nationale sert à créer des projets de loi. Il y a une navette avec le Sénat. Et ensuite, il y a des lois qui sont votées pour un pays de 66 millions, 67 millions d'habitants. Et avec notre statut actuel, quand une loi est votée dans l'Hexagone, elle s'applique de fait ici. Oui, parce que nous sommes un département.
terminé. Ben ça, ce sont les textes. Déjà expliqué, oui. Donc, il y a des habilitations de possibles, il y a des choses de possibles, mais il faut comprendre que la Guadeloupe est déjà un peu dans une différenciation. On n'est pas dans le même article que les autres régions de France. Donc, en fait, on a peur de quelque chose qui existe déjà. On a peur de prendre cette responsabilité. Je vais choquer les Guadeloupéens aujourd'hui, mais je ne peux pas rester à faire mon petit travail dans mon coin, à rester posé et à regarder tout ça à la télé. La France a donné à la Guadeloupe et aux autres territoires d'outre-mer les moyens de régler leurs problèmes depuis la révision constitutionnelle de 2003. Mmh. 2003. Le Congrès des élus, c'est une instance qui n'existe que pour nous. C'est parce que Mme Michaud-Chevry, M. Karam de la Guyane et M. Marie-Jeanne de la Martinique, ils avaient occupé tous les postes politiques de l'époque. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit en 2001 exactement ce que disent aujourd'hui nos présidents de région et de département. Ouais, la même chose. Oui. Ils disent concrètement, nous n'avons pas les pouvoirs de régler les problématiques de chômage et autres. Il y avait même l'eau déjà à l'époque. Ils l'ont dit. La France a entendu M. Chirac. On connaît les liens qu'il y avait entre M. Chirac et Mme RPR à l'époque. Donc concrètement, ils ont créé une révision constitutionnelle. Ils ont créé une instance qui s'appelle le Congrès des élus. Je demande à tout le monde de regarder ce que c'est. L'objectif de ça, c'est de, en fait, que tous les élus de la Guadeloupe se réunissent ensemble et disent « on a besoin de tel pouvoir, tel pouvoir, tel pouvoir ». Et ce n'est pas ensuite demander tant pis s'il vous plaît, c'est faire le projet guadeloupéen et l'envoyer à la France. Pas pour demander à l'autorisation de la France de le faire, mais pour demander à la France de faire un référendum, pour demander à la population guadeloupéenne si elle est d'accord avec le travail des élus. C'est ça le processus. Personne ne nous a jamais proposé de référendum sur aucun projet. Ben non, parce que la France n'a jamais reçu le projet. Ben oui, c'est ce que Et c'est là où je vais choquer les Guadeloupéens. Parce que nous réagissons, nous sommes contre. Depuis 2003, il y a eu Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron et maintenant encore Macron. Et M. Macron, il y a 4 ans, je crois, il était en Martinique. Et on se plaignait parce que eux ils ont un TEPSCAN, nous, on a un cyclotron et on voulait les deux ou l'inverse. Parce que quand ça nous arrange, on veut la même chose que la France. Mm-hmm. Et il disait, mais tout cela, il faut que vos élus se réunissent et nous envoient le projet. Mm-hmm. Il l'a dit texto, mot pour mot. Mm-hmm. Il attend toujours le projet. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un prochain congrès des élus en juin. Ce que j'aimerais... Vraiment, en tant que citoyen guadeloupéen, c'est que les Guadeloupéens comprennent que ce congrès des élus est beaucoup plus important que les présidentielles et les législatives. Parce que dans les textes, ce n'est pas le député qui va nous aider. On l'a vu, sinon ce serait déjà fait en 70 ans. Mm-hmm. Ce n'est pas le président qui va nous aider. On l'a vu lorsque le ministre est venu. Oui, il nous a dit de nous débrouiller tout seul. Il a 30 ans, il sait que depuis 2003, on a les moyens. Donc, le souci, lorsqu'on veut changer quelque chose, excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est Allez-y, important. Vous êtes invité pour ça. Lorsqu'on veut changer quelque chose qui ne nous plaît pas, il y a deux domaines. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous mettons toute notre énergie dans ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire la volonté des autres, le regard des autres, le pouvoir des autres. À aucun moment, on se pose et on se dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si jamais les Guadeloupéens commencent à poser des questions à leurs représentants sur ce que nous pouvons faire, là, on aura un problème en Guadeloupe. Là, on aura une crise politique en Guadeloupe. Parce que les Guadeloupéens auront une raison de s'énerver. Parce qu'ils vont constater que toutes les problématiques quotidiennes que nous vivons, nous avons les moyens d'avoir les pouvoirs pour commencer à y répondre depuis 2003. Nous sommes en 2022. Il faut maintenant mettre la raison devant la passion. Il faut arrêter l'agitation. On aime l'agitation. Ça nous évite de penser à nos responsabilités. Ça fait 20 ans qu'on demande à tout le monde de prendre ses responsabilités. On marche dans la rue. Mais nous, on ne les prend pas, quoi. Et le paradoxe, et c'est ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous avons des élus qui disent « Nous n'avons pas le pouvoir. On ne peut rien faire. » Alors que la France leur a donné les moyens d'avoir le pouvoir. Pourquoi les élus, c'est quoi le pourquoi il y a un décalage comme ça? Pourquoi c'est vrai que quand le ministre vient, il nous dit, mais ça c'est, mais même moi, hein, quand j'appelle au gouvernement pour avoir des informations par rapport à tout ce qui se passe au milieu professionnel, ils me disent, mais c'est dans vos structures locales qu'on a déjà envoyé ces informations. Eux-mêmes me demandent pourquoi vos responsables
ne vous en ont pas parlé ou pourquoi vous, comment ça se fait que vous nous appeliez, qu'est-ce qui se passe? Donc pourquoi il y a une déconnexion comme ça? Ben, c'est justement la question que nous posons au collectif. Nous avons fait deux démarches citoyennes. On a demandé à tous les Guadeloupéens d'envoyer un mail au président du conseil régional et au président du conseil départemental en disant « Nous voulons un plan guadeloupéen de société ». Vous réalisez quand même qu'en Guadeloupe, nous n'avons jamais eu de plan guadeloupéen de société. Ils ont été faits sur le papier, ils ont été déposés, mais jamais appliqués. Jamais appliqués. C'est quand même grave quand on voit les défis qui nous occupent. On a eu 700 et quelques mails envoyés en décembre, début janvier, et deux mois après, on a eu 900 mails. On n'a pas eu de réponse. Donc on souhaite inviter nos élus, justement, à nous répondre. Parce que peut-être qu'ils ont un blocage qu'on ne connaît pas. C'est peut-être un problème de compétence, je sais pas. C'est peut-être un problème de volonté. C'est peut-être un problème, et ça on le constate, de mandat. Parce que qui dit évolution statutaire, qui dit assemblée unique, veut dire qui sera président, veut dire que la population... Que la moitié des élus vont perdre leur poste puisqu'on va faire une seule structure comme à Martinique. Qui veut dire aussi peut-être que la Guadeloupe va pouvoir réinitialiser la représentation politique et dire qu'on ne veut plus de vous. Donc pour les élus en place, créer une assemblée unique, ça veut dire prendre risque pour leur mandat. Est-ce que c'est une raison? En tout cas, nous savons qu'il y a 2000 personnes qui travaillent environ au département, environ 2000 personnes à la région. Ce sont des personnes dont le métier, c'est de travailler pour rendre un service public à la Guadeloupe. Tous ces gens-là sont les mieux placés que nous pour savoir si ça fonctionne ou pas. Ce sont ces gens-là qui sont importants. C'est comme pour les communes. Ce sont toutes ces personnes qui sont dans des postes à responsabilité. Ils sont mieux placés que nous pour voir que ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont une responsabilité envers la population de dire, si nous n'avons pas le pouvoir, c'est à cause de ça, ça, ça. Mais ce n'est pas tout de dire ça. Il faut dire aux Guadeloupéens, mais nous pouvons peut-être faire ça, ça, ça. Et est-ce que ce n'est pas ce que nous devons faire pour réinstaurer la confiance? Mais quand vous ne dites rien, il y a un problème. Donc, ce sauveur, on le répète, ne va pas venir. Le milliard d'euros pour l'eau ne va pas venir. Même si M. Mélenchon est venu à parler d'autonomie, M. Mélenchon, sauf s'il révise la Constitution entièrement et il dit que c'est le président qui décide à qui donne l'autonomie, ben, il ne peut pas nous la donner, ce n'est pas possible. Une autonomie, ça ne se donne pas. Oui, de toute façon, c'est la population sur place qui décide de toute façon. Et vous savez, le plus drôle dans tout ça, c'est que la Corse regarde. Corse aimerait avoir le premier. Et la Corse, ils ont parlé de nous, d'ailleurs, le monsieur qui est décédé, là... Monsieur Colonna, l'année dernière, je crois, ou il y a quelques semaines, envie de dire de bêtises, il a été filmé, je crois, par BFM, en train de dire « Regarde la Guadeloupe, on aimerait bien avoir ce qu'eux, ils peuvent avoir, quoi. » Et nous, on ne l'a pas, quoi. Il n'y a pas que la Guadeloupe. La Bretagne également, ils ont de grosses velléités d'autonomie. Oui. Beaucoup de régions. Mais l'Alsace aussi, des fois, qui commence à revenir un petit peu. Ils n'ont pas notre histoire tragique avec l'esclavage, mais ils ont leur patois, ils ont leur langue, ils ont leur culture. Ils ont leur drapeau aussi. Ils ont leur drapeau, qui n'ont pas de problème à mettre devant leur mairie, devant leur stade, avec leurs supporters. Ils n'ont pas de problème avec ça. Et eux aussi, ils veulent de plus d'autonomie. Donc, qu'est-ce que la France a décidé? La France a décidé d'un projet de loi 3DS. Alors, ça, c'est la différenciation. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce que je vous expliquais. Sauf que plutôt que de venir de nous, ça vient de la France. C'est-à-dire que la France comprend que certains territoires veulent plus d'autonomie, donc ils vont créer une coquille et ils vont demander à chaque territoire ce qu'ils veulent mettre dans la coquille. Mm-hmm. Mais regardez Saint-Barthélemy qui est passé de commune de la Guadeloupe à pays et territoire. Ouais. Regardez le discours de M. Magras lorsqu'il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent déjà avec la France pour faire évoluer leurs compétences sur la santé, sur l'éducation. Ils sont déjà à ce niveau-là. Regardez la Guyane, et j'insiste beaucoup sur la Guyane, parce que la Guyane, imaginez-vous quand même, quand il y a deux assemblées, c'est-à-dire qu'il y a deux oppositions dans deux assemblées différentes, ouais, il a fallu se mettre d'accord. Mm-hmm. Ils étaient dans la même situation que nous. Mm-hmm. Et ils ont réussi à le faire. Et là, concrètement, peu importe qui est président, le président, pour eux, c'est celui qui va recevoir leur projet. Pas leur demande, leur projet. Parce que la France ne peut pas refuser. Donc nous, la question qu'on doit vraiment se poser, c'est quoi notre problème, en fait? Oui. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, la loi 3DS, c'est la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation et la concentration
Et pourtant, de diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Oui, c'est-à-dire que plutôt que de décider entre élus guadeloupéens, nous voulons telle compétence avec les moyens de l'assurer, ben en fait, c'est attendre que la France vote une loi en disant, si tu veux une compétence, eh ben voilà comment tu pourras l'avoir. C'est-à-dire que le paradigme, il vient toujours de là-bas. C'est-à-dire que tu as un problème ici, mais tu cherches la solution dont la racine est là-bas. Et visiblement, d'après ce qu'ils disent, ça va loin. Logement social, route, RSA, tout, enfin tout ce qu'on fait déjà. Ça va donc, très loin. Non, c'est à nous de prendre tout ça en main. Quoi. Tout à fait. On peut. Mais comme je vous disais, c'est-à-dire que l'initiative, la démarche, elle n'est pas guadeloupéenne. Donc c'est comme si vous dites, OK, on va travailler pour un plan guadeloupéen de société, mais on demande à la France de nous faire le plan guadeloupéen de société. Voilà, c'est ça. En gros, c'est toujours le même parade, toujours le même schéma, toujours le même mindset, le même état d'esprit. En fait, on veut les choses comme on veut, vite, mais sans les faire. Alors, on va ouvrir la ligne. Si vous avez des questions sur la différenciation et l'autonomie, vous pouvez la poser à monsieur Gilles Casimir pour information et pour comprendre un petit peu comment tout ceci fonctionne. En attendant juste les appels, excusez-moi. Oui, allez-y. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas sociologue. Oui, non. Et je ne suis pas plus intelligent que n'importe qui. Pourquoi je dis ça? Parce que n'importe quel Guadeloupéen peut comprendre ce que je suis en train de dire, en fait. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que dans un certain statut, tout ce qui est décidé en France s'applique ici. Et dans un autre, tout ce qui est décidé en France ne s'applique pas forcément ici. Mm-hmm. Et on décide si on le veut ou pas. C'est simple, en fait. On essaie de... On a des intellectuels, des politologues qui discutent à la télé. Personne ne comprend. Alors qu'en fait, en expliquant aux Guadeloupéens simplement les choses, les Guadeloupéens comprennent. Nous ne sommes pas des imbéciles. Alors, on a une question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je suis Claudine des Abîmes. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alice. Et bonjour, monsieur qui est sur le plateau aussi. Donc, j'aurais aimé savoir si, pour, dans un premier temps, s'il ne serait pas... Excusez-moi. S'il ne serait pas... s'il ne serait pas opportun que dans chaque quartier qui puisse... Enfin, là, au niveau des communes, chaque quartier qui puisse avoir peut-être des représentants du peuple qui font faire des réunions pour pouvoir parler aux gens, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment proches de la population, pour leur parler, pour leur expliquer le comment et le pourquoi que nous devrions faire ce pas. Et comme le monsieur venu de dire là, c'est que depuis à l'époque de Mme Chauvry, l'Assemblée unique devait faire l'Assemblée unique. Et moi, j'ai été très déçue. Parce que l'Assemblée ne s'est pas faite, parce que nous avons une déperdition de ressources, oui, d'argent, avec tout ça. Et il faut que les élus comprennent, même s'ils ont leur mandat, mais il faudrait qu'ils pensent quand même à la population avant de passer à leur mandat. Parce que la plupart des gens qui sont au conseil général, au conseil départemental, ce sont des gens qui ont déjà 2, 3, 4 mandats. Donc ces gens-là, il faut qu'ils pensent à la population. Il y a les jeunes qui arrivent, parce qu'ils disent qu'il y a de la délinquance dans la rue, mais qu'est-ce qui fait cette délinquance-là? Les enfants sont perdus. Parce que ceux qui sont devant, ils vous emmènent où? Ils vous emmènent où? Donc, ils vont se poser les bonnes questions et il ne faut pas qu'ils attendent que le peuple vraiment se lève, parce qu'après, ce sera vraiment... ce sera pas vraiment une... Je ne dirais pas... Ce sera pas la Guadeloupe qui va demander ce qu'elle doit demander, ce sera la France qui va lui donner ce qu'elle veut lui donner. Oui. Donc, il faut que les élus comprennent. Ils ont une responsabilité et ça, il faut qu'ils le comprennent. Dès maintenant, il est déjà quand même tard, mais il n'est jamais tout le temps pour bien faire. Parce qu'il y a une grosse masse de population. Regardez un petit peu comment les jeunes partent à droite, à gauche. La population active de la Guadeloupe est en train de s'en aller. Les forces de la Guadeloupe sont en train de s'en aller. Et parmi les jeunes qui sont dans la rue, il y a beaucoup qui sont diplômés. Donc il faut que les jeunes, il faut que les élus comprennent qu'il est temps qu'ils s'assoient et qu'ils parlent aux Guadeloupéens comme ils devraient leur parler. Non pas pour les caresser, mais leur dire réellement ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on veut pour la Guadeloupe. Parce que nous sommes sur un quai, tous les trains passent et nous laissent à terre. Effectivement. Merci. Parce que moi, j'ai des enfants qui ont la vingtaine, presque la trentaine, et bien tous ces jeunes-là, ils sont obligés de partir pour pouvoir trouver un avenir. Et il faut que les élus ouvrent leurs yeux. Parce que là, ils sont en train de faire une guéguerre de poste de ceci, de cela. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas éternels. Et que la Guadeloupe ne leur appartient pas. La Guadeloupe appartient aux Guadeloupéens. C'est ce que je voulais dire.
D'accord, merci madame. Je voulais juste rebondir sur ce que madame disait. Alors, il y a eu beaucoup de projets guadeloupéens de société de présenter, et notamment en 2012. Alors, je ne veux pas nommer de nom parce qu'il n'y a pas de collusion avec ces personnes. Ce n'est pas des gens avec qui je travaille, donc je ne veux pas. Ils ne m'ont pas autorisé à donner leur nom, mais en tout cas, le projet guadeloupéen de société de 2012, il a été présenté au conseil régional de l'époque. Et justement, il y a eu tout ce gros travail dans les communes. Il y a eu beaucoup de travail. Après 2009 aussi, il y a eu les états généraux, souvenez-vous. Oui, effectivement. Qui connaît aujourd'hui les résultats des états généraux? Pourtant, les gens s'en souviennent quand même, hein, parce que je me souviens que beaucoup d'intervenants, quand il y a eu la dernière crise, n'ont pas voulu participer en disant « mais vous nous avez déjà fait le même coup il y a quelques années, on vous a fait un projet gros comme ça, qu'est-ce que mais vous en avez fait ?» Mais le problème, ce n'est pas la France. C'est-à-dire que quand vous avez une problématique, comme je vous ai dit, c'est tellement beaucoup plus confortable d'accuser ce qui ne dépend pas de nous. Oui, mais c'est ce que les jeunes ont dit. Les jeunes ont dit à nos propres élus qu'ils ne veulent pas reparticiper, parce qu'il y a quelques années, ils l'ont fait. Le projet guadeloupéen de société de 2012, sachez que je ne sais pas si aujourd'hui des partis veulent rentrer encore dans ce même schéma d'aller faire le tour de la Guadeloupe, mais ça a été fait 50 fois. La conclusion des états généraux, c'était plus d'autonomie. Mm-hmm. À chaque fois, on était confronté exactement à ce que disaient Mme Michaud-Chevry, M. Karam et M. Marie-Jeanne à l'époque. Si vous lisez la déclaration de Basse-Terre, n'importe quelle personne là qui nous écoute, tapez « déclaration de Basse-Terre », vous lisez la déclaration de Basse-Terre, vous avez l'impression que c'est la Guadeloupe de 2022 qui est décrite. Et on est en 2001. Ouais. Donc on sait ce qu'on doit faire. Donc la question qu'on doit se poser, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on a autant d'espoir pour des gens qui ne vivent pas avec nous, qui ne nous connaissent pas, qui ne souffrent pas comme nous? Et pourquoi nous avons du mal à devenir responsables de notre changement? En fait, on est en train d'alimenter une culture de la victimisation. Et on est en train de transmettre ça à nos jeunes. Je suis au contact de la jeunesse quotidiennement. Les jeunes n'ont plus confiance en eux. Ils accusent toute la terre entière de ce qui leur arrive. Nous décidons de ce que nous vivons. Il y a un phénomène dont personne ne parle et je vais en parler. En Guadeloupe, nous sommes en train de souffrir de gentrification. La gentrification, c'est un embourgeoisement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement dur de vivre en Guadeloupe que si vous n'avez plus les moyens financiers de vivre en Guadeloupe, vous partez. C'est ce qui est en train de se passer à Little Haiti à Miami. Little Haiti à Miami, c'était une communauté haïtienne, sauf que petit à petit, les quartiers deviennent beaucoup plus beaux, les appartements deviennent hors de prix, ce qui fait que la communauté haïtienne ne peut plus continuer à vivre là. Mm-hmm. Je l'ai vu il y a quelques années lorsque j'étais là-bas. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, et d'autres communautés, d'autres populations viennent s'installer et eux, ils ont les moyens d'acheter l'immobilier qui, en plus, a explosé. La difficulté chez nous, c'est que nous ne faisons pas le lien entre l'évolution institutionnelle et statutaire et nos problèmes quotidiens. Pour nous, c'est vital politique. Nous ne pas comprendre. Le problème pour nous, c'est qu'elle nous bannit de l'eau. On ne fait pas le lien entre les deux, entre nos besoins et les pouvoirs publics. C'est comme si vous avez un téléphone, vous avez une mise à jour, vous décidez de ne pas la faire. Et après, vous ne comprenez pas que votre téléphone ne fonctionne pas après quelques années. Il est en panne, vous devez le changer. C'est la même chose. Tout ce qui n'évolue pas disparaît, meurt. Tout ce qui n'évolue pas, toutes les entreprises, toutes les organisations doivent évoluer. Nous n'avons pas évolué depuis 1948. Bon, comme le travail dans les communes, ça a déjà été fait, on va peut-être en parler plus souvent à la télé, à la radio, peut-être faire plus de communication. Il faudrait que nos élus... Parce qu'ils ont su le faire pour le vaccin. Comment faut faire? On faudrait les forcer à en parler. Ils ont su le faire pour le vaccin. Les élus le savent à chaque fois qu'ils sont quelque part. On leur pose la question. Mais ce n'est pas à nous, collectif, de le faire. Nous, on n'est pas là pour briguer un mandat. Oui. Nous sommes des citoyens où on se met ensemble et on essaie, à notre petit niveau, à dire aux Guadeloupéens, mais regardez, c'est possible. Mais même les partis politiques en place aujourd'hui, puisqu'on y avait des régionales il n'y a pas longtemps, mais on dirait qu'en fait, aujourd'hui, tout est sur pause. Et pourtant, au régional, ils nous ont parlé de fallait élire les deux partis pareils pour faire le gouvernement partagé. C'est ça, la gouvernance partagée. Alors, on a un deuxième appel, si la personne est encore là. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, présentez-vous. Alors, je m'appelle Patrick. Enchanté. Allez-y. Alors, je voulais intervenir concernant ce que le monsieur dit. Et vraiment, monsieur, vous félicitations. En plus de ça, il y a un truc qu'on pourrait faire, comme la dame vient de dire précédemment, là, pourrait un peu faire des réunions de quartier avec la population. Donc pour vous, il faut vraiment aller dans les quartiers, en fait. Ah oui, il faut aller dans les quartiers, parce que les jeunes ne sont pas au courant de tout ça. Et il faut savoir aussi que les jeunes, ils sont placés pour donner l'information,
Je pense qu'ils ne le feront jamais. Parce qu'ils ne pensent qu'à leur mandat. Décidément. Je pense. D'accord, ben merci. Merci beaucoup pour votre avis. Donc, alors, en fait, peut-être... C'est notre démarche. Peut-être on souhaite le faire. On aimerait vraiment le faire. Bon, maintenant, nous sommes monsieur et madame tout le monde. Hein. On travaille à côté. C'est pas toujours évident d'organiser ça, mais c'est notre souhait. On veut aller sur le terrain. On veut organiser ce type. En fait, ça s'appelle de l'éducation civique. C'est ça. Est-ce que peut-être avant, les gens n'étaient pas prêts à recevoir ce genre d'informations? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toute la société a évolué. Il suffit de voir les dernières élections régionales. Toutes les listes, c'était pays Guadeloupe, la Guadeloupe avant tout, enfin voilà quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas une évolution des mentalités et que peut-être maintenant il faudrait retourner sur le terrain pour essayer d'en parler avec les gens? Il y a une vraie volonté de changement. Les Guadeloupéens se rendent compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on pense, nous, étant Guadeloupéens, et la représentation politique. Il y a plein d'événements qui se sont passés où on se rend compte en fait qu'on n'a aucun pouvoir chez nous. Donc tout le monde s'en rend compte. Mais il y a un problème entre la volonté de changement et l'action. C'est ça. On doit sortir de notre zone de confort, en fait. On doit accepter d'aller regarder un zoom de 2 heures et pas se dire c'est trop long. Oui, pourtant, moi, j'ai vu les 3. C'est vrai que c'est très intéressant. Et le premier, je vous assure, on invite vraiment. C'est pas pour dire on est ceci, on est cela. Regardez ce zoom de 2 heures. Et en fait, on n'a rien inventé. On a simplement fait une chronologie. Et on voit à quel moment on a fait peur aux Guadeloupéens. Mais on a tellement fait peur en 2004 aux Guadeloupéens. Oui, on avec a encore l'histoire peur de il n'y aura plus le RSA. Et tout ça. En plus, alors déjà, on se finance tout seul. Donc, ça, c'est bien aussi de le rappeler, ça. Parce que, heureusement, l'autre jour, j'ai reçu la Cour des comptes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se finance tout seul, avec le 3 de mer et tout. Et de 2, on peut travailler aussi. Ben, donc, c'est comme l'autre 3 de mer. Vous vous rendez compte quand même que la source de revenus des collectivités. C'est nous-mêmes, c'est ce qu'on fait venir par bateau. Oui, non, mais c'est surtout que cette taxe qui aide les communes et la région et tout ça à vivre, elle date... De 1641. Il n'y a rien de plus à rajouter. Bonjour. Et autre chose, allez-y. Nous avons besoin de 2 milliards d'euros, soi-disant, ou plusieurs centaines de millions d'euros pour régler notre problème d'eau. Et nous avons une taxe, la première source de revenus de l'État français qui s'appelle la TVA. Qui part en France chaque année et qui s'élève à 300 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Guadeloupe, s'ils ne sont pas au courant, on n'a pas de compétences fiscales en Guadeloupe. Ouais, on n'a pas le droit autonome de créer des taxes. Et ce que je dis là, ce n'est pas Casimiro qui l'a inventé. Non, c'est... En apprendre l'IA dans d'autres groupes politiques, en fait, en apprendre, et en papier intelligent qui promoune. Et les premiers d'entre eux, le Parti communiste, ils le disent depuis 70 ans. Mm-hmm. Donc la problématique, ce n'est pas tellement de savoir. Plein de Guadeloupéens savent aujourd'hui. Ils connaissent. Mais est-ce qu'on veut vraiment changer? Il y a une différence entre vouloir et agir. Parce que si on voulait agir, avec toutes les forces que nous avons vues là, pendant les dernières élections régionales, pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? J'ai vu des drapeaux partout de la Guadeloupe. Pourquoi ça s'est arrêté? Si nous voulons vraiment le changement, nos élus aujourd'hui sont là jusqu'en 2028. Mmh. On va attendre 2028, la prochaine élection régionale, pour qu'il y ait une nouvelle équipe à la région, en leur demandant de faire une assemblée unique, donc de remettre tout de suite leur poste en jeu. Ils ne le feront pas. Ils vont faire traîner. Et c'est ce qui se fait depuis 2003. Et le Congrès des élus ne sert plus à l'évolution du pays. Les Guadeloupéens ne s'intéressent plus à ça. On ne regarde même pas ça à la télé. Par contre, on regarde Macron versus Le Pen. Ouais. En juin, il y aura un Congrès des élus. Chers Guadeloupéens, c'est ça qui va définir notre avenir. Ce n'est pas la présidence de la France. D'accord. Alors, bonsoir. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir, oui. Allez-y, monsieur, présentez-vous. Donc, c'est Willem. Enchanté. Alors, il faut réagir par rapport à la question institutionnelle ou par rapport juste à la question entreprise pour les entreprises? Ah non, mais c'est le même sujet. C'est qu'aujourd'hui, on parle, alors, on si décoctique. Pour la question des entreprises, on peut dire quand même que l'élection, entre guillemets, de Macron... Enfin, ça dépend de quel type d'entreprise, mais il a quand même mis en place le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid. Donc, ça a permis de sauver quand même de nombreuses entreprises. Et il a mis quand même la loi Macron avant quand il était ministre d'Hollande. Enfin, il a fait quand même quelques petites réformes au niveau des entreprises pour faciliter le développement des petites
et aussi surtout les grandes entreprises. Après, si c'est par rapport au niveau de la question institutionnelle, ben là, c'est clairement pas Macron. Et ça, c'est surtout les élus. Hein. C'est une compétence plus des élus. Parce que c'est les élus qui doivent saisir cette question. Et je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts à la saisir. Hein. Effectivement. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, pour rebondir, oui, il parlait des lois que M. Macron... Donc, ce sont des lois qui sont nationales. Voilà, c'est ça. Un territoire d'outre-mer autonome a une compétence législative et peut créer ses propres lois. C'est-à-dire que normalement, la Guadeloupe, on dit que c'est un pays, on dit notre nation, on dit notre peuple. Tout ça, ce sont des termes qui ne sont pas dans notre représentation politique. Le mot « peuple » n'existe pas dans la Constitution française. Mm-hmm. Le pays de Guadeloupe n'existe pas. Il y a un document qui s'appelle le Code général des collectivités et territoriales. Le Code général des collectivités. Vous tapez ça sur Internet, c'est un document PDF. Mm-hmm. Donc, il y a des livres et ça reprend toutes les règles. Ça reprend tout ce qu'un territoire peut faire. Ben, je vous invite à regarder ça et à chercher le livre de la Guadeloupe. Vous verrez que vous ne le trouverez pas. Vous verrez le livre de Saint-Barth, vous verrez le livre de Saint-Martin, vous verrez le livre de la Guyane, vous verrez pas le livre de la Guadeloupe. Parce qu'en fait, nous sommes noyés dans quelque chose qui est national. Et le quotidien, notre quotidien en Guadeloupe, quand je dis notre quotidien, mais même pain là qu'elle nous a acheté en boulangerie là, tout ça, c'est codifié par notre relation avec la France et avec l'Union européenne. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas... L'institution et le statut a un impact direct sur notre vie, notre réalité, notre vraie vie. Et ça, en fait, qui mieux placé que nos représentants, dont c'est le métier, parce que moi, je ne sais pas ce que doivent gérer ces politiques. Ils ont des informations que nous n'avons pas. C'est pour cela que nous ne sommes pas là en disant « nous avons la solution, mis à nous ». Non, nous, on veut créer un dialogue avec nos représentants. On veut un dialogue de vérité, en fait. On veut vraiment que la population se retrouve face à ses représentants et qu'on dise ensemble « qu'a nous peut faire ?» Pas « qu'a nous peut pas faire ?» On sait ce qu'on ne peut pas faire, mais il y a bien quelque chose qu'on peut faire. Et lorsqu'on est face à autant de défis dans un si petit territoire, je pense qu'il faut d'abord penser à ce qu'on peut faire, ce qui dépend de nous, plutôt que de se demander qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous. Alors, et pour répondre donc à la question par rapport au quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, c'était pour tous les territoires français le quoi qu'il en coûte. Donc la Polynésie aussi a pu en bénéficier. Après, bon, eux, ils ont leur propre assemblée, donc ils ont géré leur propre plan de relance. Mais ils ont eu des budgets, d'ailleurs, nous, on a fait le suivi. Il y a eu des budgets pour la Guadeloupe, qui d'ailleurs avait même eu plus de budget que la Martinique. Donc c'est... Quand il y a une crise comme ça, au niveau de la crise, tous les territoires ont pu bénéficier de toutes les mesures. Après, il suffit juste qu'ils demandent. En plus, je vois que la Polynésie, ils ont carrément un ministre de l'économie, eux. Ils ont un gouvernement. Ils ont un gouvernement. Donc, ils ont leur ministre de l'économie qui, j'imagine, a négocié les budgets avec le gouvernement. Ils ont une compétence fiscale, donc ils gèrent leur argent. Et ils sont français. Oui, voilà. Alors, attention, la Polynésie n'a pas, par exemple, de RSA, de choses comme ça. Oui. Donc, et par contre, ils ont une préférence à l'embauche. C'est pour... Exactement. C'est-à-dire qu'à compétence égale, pour trouver du travail en Polynésie, le Polynésien est... Prioritaire. Pareil pour acheter les terres. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de modèle parfait. Et c'est pour cela que nous, Guadeloupéens, aujourd'hui, à ce niveau de notre histoire, nous devons décider de ce que nous voulons pour la Guadeloupe. Ce n'est pas forcément trouver un statut comme un tel ou comme un tel, mais c'est de décider nous-mêmes, comme l'a fait la Guyane, comme a fait Saint-Barthélemy. Et c'est pour cela, en fait, excusez-moi d'être aussi direct. Mais il faut dire les choses. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas, en fait. Oui, parce qu'on pourra avoir notre propre gouvernement et au lieu de ça, on est en train de... Alors, peut-être pas jusqu'au gouvernement, peut-être pas jusqu'à ce niveau, parce que la Polynésie, ils sont à des milliers et des milliers, ils n'ont pas connu l'esclavage. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais dire. Eux, ils ont une autre histoire. Ils ont toujours été là. Donc, ils savent se gouverner tout seuls. Ce qui nous dérange, c'est qu'on voit bien qu'on a un représentant de l'État qui est le seul à décider en Guadeloupe. Et on voit bien que dans notre fonctionnement, ça nous dérange. On voit bien que lorsqu'un ministre arrive en Guadeloupe, il va directement au RSMA. Il ne va pas voir le président de région, il ne va pas voir le président du... Qui représente politiquement la Guadeloupe aujourd'hui? Qui s'assoit à côté? Ça ne choque personne qu'en 2022, il y ait une table où il y a le représentant de l'État,
le représentant de l'État, donc le représentant de l'éducation et le représentant de la santé. Effectivement. Que des personnes qui sont chez nous pour des années. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas une aversion vers l'autre, ce n'est pas tout ça. Mais on ne peut pas qu'à chanter la Guadeloupe, c'est en nous. C'est en nous et en fait, tu n'as pas ton nous-même en pensée. Et en même dit temps, ou comme à chanter la rue, parce qu'il n'y a pas qu'à bas sauver. Il n'y a pas qu'à bas monde, ça, y ouvrez. Et si je dis ça aux jeunes, on ne va pas vous donner de travail. J'accompagne avec les jeunes. Et puis le travail, ça se crée, c'est à nous de créer et en plus, le les paradoxe, conditions et l'emploi ici. Ça ne va pas plaire ce que je dis, mais il faut aussi savoir passer par là. C'est que dans notre partie du monde, il n'y a aucun endroit dans notre partie du monde où il y a autant d'aide. Ah oui, mais ça c'est sûr, il y a trop, à part la Martinique, où on habite. Les gens se débrouillent et travaillent, ils créent eux-mêmes leur propre richesse. Donc nous avons des aides comme nulle part ailleurs, et nous bloquons, nous ne sommes pas contents. Donc il y a un problème, il y a un problème profond que nous devons analyser, nous regarder entre nous en face et nous devons trouver nos solutions. Alors on a un appel, si la personne est toujours là, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, allez-y, présentez-vous. Alors, oui, moi c'est Marc, pour l'instant à Saint-Anne. Alors en cas de temps de parole, ça a interpellé moi, parce que en cas de bonne même idée là. À savoir que effectivement, ils couillonnent nous, super couillonnent nous en 2004, et puis ils ont fait comprendre que par les pas que nous étions dans le sens de l'Assemblée unie. Et ils étaient tous en consortium pour quitter du bruit. Et non, c'est un consortium pour emmêler nos idées, pour nous battre pour la décision à être dans l'Assemblée unie. Et seul, j'ai du mal à comprendre qu'un petit pays comme ça ait autant d'élus, oui, qui se retrouvent, là où élu maire ou cabinet d'agglomération, ça va être des mandats, puis ce mandat-là, qui ont été en tant que fonctionnaire, puisque la plupart c'est des fonctionnaires, et des docteurs, et pas qu'à causer la Guadeloupe un gros problème, mais le principal problème à la Guadeloupe, c'est nous-mêmes. Le principal problème à la Guadeloupe, c'est nous-mêmes qui connaissons le problème à la Guadeloupe, et qui pas qu'à prendre les décisions qu'il faut quand il faut. Et peut-être effectivement aussi, il n'y a pas qu'à retrouver dans les membres de l'opposition, puisque même si là qu'ils soient désengagés de prendre les de l'eau et tout ça, Léon Andes vient d'un procès, il vient dit qu'on voit qu'il n'y a qu'à payer Bouga, qui n'y a qu'à faire problème, qui n'y a qu'à chercher à défendre soi-disant les usagers de l'eau, il n'y a qu'à payer tous les mois. Alors, le problème, c'est vraiment nous, peuple Guadeloupe, qui n'est pas solide en tête en nous. Nous pas encore renouvelé. La politique des bons, ça n'a jamais fini. La politique de Rabat-Oncaz, Rabat-Timounaon, des bons atolls, ça n'a toujours pas fini. La dilapidation des biens publics. Est-ce que les moyens ni des communes qui ni des appartements, ni tout ça, point il y a quand même des amis à trois fois moins que le prix du marché et qui m'ont payé un impôt à terre. C'est nous. Alors, excusez-nous, c'est nous qui pas prendre les décisions qu'il faut, et parce que nous sommes en opposition des noms, et tu viens de le rappeler, monsieur, effectivement, nos intellectuels, c'est des fadas, pardon, c'est des gens, il y a un maillot entre politiques, c'est des journalistes qui sont capables de faire de l'investigation, excusez-moi, Canal, c'est pas ni les moyens, mais qui sont capables de faire de la réelle investigation, il y a un maillot, chercher bon problème à famille yo. Alors, au là, nous avons vraiment souligné l'idée, moi, à raconter avec vraiment beaucoup d'attention. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci. Il ne faut surtout pas verser vers c'est faute en nous, on va se flageller, c'est nous-mêmes qui. Non, on est un peuple jeune. Nous sommes arrivés aujourd'hui avec des catastrophes en série et ces catastrophes sont là pour nous enseigner des choses. Maintenant, il est de notre responsabilité de comprendre que nous avons la responsabilité de changer. Après, on renvoie encore sur les élus. Les élus, ce sont nos employés. À partir du moment où il y a une conscience populaire qui prend place, toute l'énergie que nous prenons à commenter ce qui se passe dans le monde entier, si on prenait le temps de s'informer sur ce qu'il y a chez nous, il y a une pression naturelle qui va se faire, où nos élus vont se sentir obligés de faire. Et c'est là où monsieur et madame tout le monde ont cette responsabilité. Et c'est la nature même de notre démarche avec le collectif. On ne voulait pas créer un collectif pour faire croire aux gens, après ça, on va aller briguer tel mandat. Ça doit venir de la population.
Ben surtout que 700 mails, puis une deuxième fois 900 mails, ça fait beaucoup. Oui, le même jour, 900 mails. Et quand j'entends sur un autre média que le président de région a dit qu'il n'était pas au courant, si vous recevez 900 mails sur votre boîte personnelle, je pense que même si vous ne regardez pas votre boîte, on va vous le dire. Mais ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas là pour accuser les politiques. Oui. Nous sommes là pour échanger avec eux. Tu es là jusqu'en 2028. Tu nous as déjà dit que tu ne peux pas faire. Ben, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir faire ? Surtout avec ces résultats-là, il y a de quoi se poser des questions. Et là, en fait, il y a une cassure. C'est-à-dire que la population guadeloupéenne est dans une posture où... Ils ne savent plus quoi faire. Mon cher. On nous voit. Il y a... Alors là, c'est le professionnel qui va parler. Il y a quatre manières de réagir lorsqu'on est face à une difficulté. Il y a quatre manières. Il y a la manipulation. Donc, on essaie de manipuler, on laisse croire qu'on va faire, mais en fait, on sait qu'on ne va pas faire. Et quand je demande en atelier de coaching qui est là, tout le monde dit les politiques. Je ne dis rien, hein. Tout le monde dit, ah, ce sont les politiques. OK. Il y a aussi la fuite, la passivité. On a beau dire, les gens marchent dans la rue, les gens barrent la rue, mais excusez-moi, la grande majeure partie de la population guadeloupéenne, ils aussi, ils ont qu'à regarder, ils ont qu'à liker. Ils sont dans, mon cher, la peine pas vaut, nous qu'est vrai, petit à moment, regardez ce qu'on peut faire, en France. C'est ça. On est dans la peine pas vous. La troisième façon de fonctionner, c'est l'agressivité. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas, on dit c'est ça qu'on veut, et nous croyons brûler tout de suite. Tant qu'on pas bon nous ça, nous voulons, c'est ça. Ça, c'est l'agressivité, et pas besoin de dire qui est dans cette démarche. Et la dernière démarche, ça s'appelle l'assertivité. Assertivité. L'assertivité, c'est tu écoutes, tu entends l'autre point de vue. OK. Et toi, tu regardes ton point de vue et tu mets en avant ton point de vue. Tu n'as pas de mal à te remettre en question. Il y a une seule personne en Guadeloupe, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais choquer, il ne fallait pas m'inviter. Et d'ailleurs, vous êtes la seule à le faire. Avec la plaisir. Seule personne aujourd'hui en Guadeloupe qui agit avec assertivité, c'est le préfet. Oui, ça par contre, oui. Le préfet, il est là. Je le reconnaître. Il écoute tout le monde, sauf que moi, j'ai dit ça, c'est ça, terminé. Alors on me dira, c'est facile, il a le pouvoir. Mais toi qui n'as pas le pouvoir... Tu peux agir avec manipulation, tu peux agir avec passivité, tu peux agir avec agressivité, mais tu peux aussi agir avec assertivité. Et c'est de dire quoi à ta population si tu es assertif? C'est de dire, OK, nous n'avons pas le pouvoir de faire valoir notre voix. Nous n'avons pas le pouvoir de nous asseoir à la table des décisions qui impactent la vie de nos enfants. OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'asseoir à cette table? Ben, sachant que le préfet va suivre, quoi, hein, puisque ben, l'État, ils ont toujours dit qu'ils sont sans tabou. C'est dans la Constitution française. La France française. A toujours dit évoluer et grandissait un petit la peu, France Nicolas ne... Sarkozy, tous. Hein. Ils ne peuvent pas nous empêcher. Ouais, donc, en fait, c'est un manque de connaissance de notre population, c'est un manque d'éducation. C'est un manque de véritable débat. Et quand je dis véritable débat, un débat pour que les gens comprennent ce qui se dit sur le plateau. Pas un débat avec des belles formulations de vocabulaire français. Un vrai débat où les gens comprennent, où les élus... explique concrètement. Et s'ils ne le font pas, eux, ils ont les compétences autour d'eux. Mais comment se fait-il qu'on ait autant de personnes qui ne sont pas au courant de tout ce qu'on a vu là en une demi-heure? Alors, on va prendre un dernier appel. Bonsoir. Oui. Bonsoir, présentez-vous et allez-y. Oui, Arthur du Lamantin. Enchanté. Oui, je voulais réagir par rapport à un truc. En cas, depuis combien de jours après l'élection, que tout le monde a débattu, que ça Guadeloupéen fait, Guadeloupéen voter Le Pen, voter ceci. Mais, en impression que Guadeloupéen, ni ça qui peut comprendre que vous poussez nous tout en bâtiment. Si vous êtes gardé bien, Guadeloupéen pas ni terre encore. Guadeloupéen ni mal avec et tout ça vous a fait. Ni un petit qu'il faut vous comprendre et en PJ, que d'avoir ça. Moi, j'ai voté en vision. La première fois que j'ai voté en vision, c'était pour décider dimanche. Et en voté parce que moi, je m'en avais fait. Là, je m'en montais, je m'en avais fait. Il faut que comprendre que nous, nous pas ni à y être, nous n'avons pas dit pour faire un seul bitin. C'est que nous, maintenant, hors d'état de nuit, pour nous, ne pas gérer si nous en nous. C'est mon nez qui a crié pour dire que nous payons des décembre. Là. Dominique Ocosan, pour qu'on bien aimé, il dit quoi, nous pouvons chirer qu'il y a. Mais il faut comprendre, longtemps nous avons chirer qu'il y a nous. Vaut mieux connaître les milliards qui imaginent les peines, qu'ils savent qu'il y a qui fait ça, au lieu qu'il y a un monde qui a dit qu'il y a fait bien bas et qui a mangé en bas.
C'est ça, il n'y a pas qu'à comprendre. Il n'y a pas ton soignant, il n'y a pas ton aïe, il y a toutes les revendications faites, mais c'est pas qu'à comprendre. Chaudis jour, Guadeloupéen décide qu'il n'y a qu'à voter des congrès à eux. Oui, pas ni à juger qu'il n'y a qu'à dire pourquoi il fait ça. Il n'y a qu'à voter ça, il y a une souffrance. C'est mon là qui en France là qui a dit que Guadeloupéen, c'est pour Guadeloupéen voter qui ceci. Il faut comprendre vite. Il y a en France, il y a 50 ans en France. Là, il faut sortir en France, il y a vivre à maman. Il n'y a pas même quand il tombe dans l'argent pour te faire habiter. Au lieu de rester comme ça, porter soutien à yo, bah, moun qui a vraie misère en Guadeloupe. Parce qu'il y a vraie vie là, au loin, mais c'est moun qui a dit dans l'aïla, qu'on est déjà ça qui a passé. Nous tenions un temps en solidaire avec nous, Guadeloupe. L'enlever, c'est pour y avoir des cailles vannes, pour te y avoir des cailles vannes, nous mettons des meilleurs des mouins. Et nous te cachons bien. Sans nous, en famille, nous faisons case avec 3000 francs. Je dis, 4000 francs, nous ne pouvons pas faire acheter un pot pour mettre dans la case. Faut y comprendre ça. Il y a juger nous qui allons voter, nous voter ceci, mais faut y comprendre Guadeloupe et Hala, ça fait ça. Et du coup, est-ce que vous seriez. Et nous voter des pop grillons, nous, ou pas ni droit juger nous pour dire nous, comme quoi qu'elle nous pas ni droit faire, et c'est eux qui a fait. Oui, effectivement. Et du coup, monsieur, est-ce que vous seriez d'accord pour une évolution statutaire, par exemple, puisque c'est le même président qui est repassé? Le même président? Comme c'est le même président qui est repassé, est-ce que du coup vous seriez d'accord pour une évolution statutaire pour la Guadeloupe? Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça, mais il y a des conditions, il y a des trucs. De toutes les manières, il y a un truc qu'il faut comprendre. Nous, qu'on nous enlève, sans des recamètes dans l'autre. Oui. On va demander la guerre, on va demander rien. Mais si nous ne pas mettre en point ça, nous qui rester qu'à balader pendant 50 ans. Nous l'enlever en tout temps de problème à nous. Ça fait quoi à Ivan Isaac? Je dis, mais on nous a fait nous-mêmes bien là. Elie, on nous a fait nous-mêmes bien là. Mais c'est, soyons logiques, ni 40 ans, mais on l'a au point que nous avons service. Je ne peux pas avancer si nous-mêmes pas prendre décision. Et nous avons bien quand je dis quoi. Arrêtez de baser aussi l'argent là, la force qui a baillé là, la carte, la location là, ça. Pour pouvoir avoir des mains, nous toujours prêts à manger, nous débrouillons, nous savons, nous connaissons quand tu chantes pour nous fonctionner. En nous prenant nous en main pour nous biter. Faut pas péter si la carte là. Nous, nous avons un problème, 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 nous d'accord. On s'appelle quoi ça? Ni on l'a pas critiqué parce qu'il y a eu pépé de ça, Yoni. Et quand Yoni, en l'argent, ils ont mis tout comme ça en l'argent pour la CAF, pour nous payer, pour nous pas ni en vue d'être, ni pour penser, ni de créer à rien, ni à rien. Regardez, tout, nous, tout, nous-mêmes, quand on parle de bon, il y a pour nous un bâtiment. Merci. Je dis, vous, quand on demande, moi-même, moi, je pourrais moi un bâtiment, je m'en ai constaté avant. T'es ni terre pour Guadeloupe, t'es ni travail pour Guadeloupe. C'est tout ça, alors, merci beaucoup, monsieur. Alors, ce qu'il a dit est vrai, mais vous voyez ce qu'on parle. On parlait d'état d'esprit. On nous a fait ci, on nous a fait ça, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Une loi votée en France pour développer l'économie guadeloupéenne dit on va défiscaliser, on va permettre à ceux qui achètent en Guadeloupe de défiscaliser. Oui, c'est la loi Girardin, l'ancienne Girardin. Girardin, c'était avant, après c'était... Il y en a plein. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous payez beaucoup d'impôts en Guadeloupe, le fait d'acheter un terrain, de construire une maison, vous payez moins d'impôts. Combien en Guadeloupe de personnes payent beaucoup d'impôts? Ben non, mais c'est, forcément, qui, c'est forcément des métropolitains. Ça va toucher les Guadeloupéens qui sont papa et maman cadres. Dans des grosses entreprises. Mais la grande majeure partie, ça va toucher des gens qui sont ailleurs. Oui, et qui vont venir investir pour ne pas payer des impôts chez eux. Donc, on voit un exemple de loi appliquée encore maintenant et depuis des années, qui a été pensée ailleurs et qui ne correspond pas à nos besoins. Donc, la question, ce n'est pas seulement de se dire tout ce que monsieur a dit là, puisque tout le monde est d'accord avec lui. Maintenant, il faut changer d'état d'esprit. Il faut arrêter de réfléchir en problème. Il faut penser en solution. On est au courant qu'il y a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Et là, surprise, on se rend compte que depuis 2003, tu peux le décider toi-même. Alors la vraie question, et je vais finir sur ça, et ça va peut-être bousculer. Nous avons des héros importants en Guadeloupe. Nous avons une histoire forte.
Nous avons des héros, des femmes et des hommes qui ont préféré mourir plutôt que de rester victimes. Imaginez ces ancêtres qui nous regardent aujourd'hui et qui voient que nous avons tout pour faire nous-mêmes. Et qu'on ne fait pas nous-mêmes. Et qu'on ne fait pas. Imaginez ces ancêtres qui nous regardent en train d'attendre que d'autres le fassent pour nous. Merci, merci beaucoup pour cette intervention. Écoutez, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.